Bonjour, alors maintenant on va faire les tests. Alors les tests, ben, c'est l'instruction if, tout simple, comme il y a à peu près dans tous les langages. Vous constatez que j'ai fait un programme qui s'appelle testif.py ici, que je vais éditer tout de suite. Ben voilà, testif.py avec l'éditeur Kate. Il y a les premières lignes de base, toujours pour dire que j'exécute en Python. Ça, c'est pour que ça fonctionne avec Linux. Ça, c'est la ligne qui dit que je code ça en UTF-8. C'est utile si j'ai des accents aigus, des trucs qui sont codés dans un codage spécial, comme j'utilise UTF-8 et que par défaut, c'est pas UTF-8 en Python. Ben, il fallait bien mettre cette ligne-là. Puis un titre, exemple de programme avec test if. Alors, première chose, n input, entrer un nombre. Je veux entrer un nombre, puis je veux vérifier si ce nombre est plus grand que 0, plus petit que 0 ou négatif. En fait, chaque fois, afficher un message du genre votre nombre est positif, votre nombre est nul ou votre nombre est négatif. Bien sûr, j'ai deux tests à faire. S'il est positif, je mets positif. S'il est 0, je mets 0. Il m'est jamais nul. Et aucun des deux cas, j'ai pas besoin de faire de troisième test. Je sais qu'il est ni positif ni nul. Alors je peux mettre directement qu'il est négatif. Vous constatez donc l'indentation ici. Donc print, c'est l'instruction qu'il faut exécuter si le premier test est vrai. Je reviens à l'indentation tout à gauche. Je mets le test, le numéro 2, 2 points. La seule instruction à exécuter si ce test est vrai, etc. La troisième condition, enfin le sinon, si vous voulez. Puis la troisième instruction. On enregistre tout ça. On va dans le terminal et puis on l'exécute avec, voilà, puis son test if. Entrer un nombre. Alors si j'entre 45, ça me dit que c'est positif. Si j'entre moins 3,5, ça me dit que c'est négatif. Alors, notez que c'est un nombre réel cette fois. Puis si j'entre 0, c'est un nombre nul. Tiens, excusez-moi, il faut quand même qu'entrer un nombre 0, votre nombre est nul. Voilà, bah, ça fonctionne bien. Merci de m'avoir écouté.